Le premier c'est ta. Le premier c'est qui? C'est Pascal Frédéric Pa. Et comme je l'ai dit, c'est lui le roquet. C'est le roquet. Jamais le bateau qui n'a pas la larme. Et la larme là, c'est quoi? C'est lui, Abdoulaye Diocha. Et parce qu'il veut tout partir, vous savez qu'il peut la faire conscience. La même conscience, vous voyez qu'il veut dire. Il s'appelle le nom, il veut dire. Il veut dire, vous voyez quoi? Parce que quoi? Le René à qui? Le René de Dieu. Il peut faire le Dieu. Donc il peut voir une renaissance. Une nouvelle conscience. La nouvelle conscience, c'est quoi? C'est mettre. C'est mettre quoi? Le bateau. La lame sur le bateau. Et Dieu, le Dieu là, il avait déjà fait une façon d'apparition sur la terre. Il reste son deuxième apparition. Parce que comme lui-même l'a dit dans son verset 40, dans le verset 40 de la sorte, dans le verset 11 de la sorte 40, il a quoi? Il a deux vies, deux morts. Deux vies, deux morts. C'est comme ça. Une première apparition, il avait fait, c'était qui? En ce moment, c'était qui? C'était lui, de l'ancien. Pas de l'ancien. Bélanger, c'est quoi? C'est l'incarnation de Dieu. Mais c'est personne nous sommes en sa seconde apparition, en quoi? En 2018. Est-ce que c'est ce que veut dire même le grand Bélanger? Arrêtez, regardez Bélanger. Bélanger, il peut immortaliser Agoko. C'est Agoko qu'on a érigé sa statue. Et c'était quoi? Il a fait quoi sur la statue? Les socles de la humanité, c'est quoi? Comme ça. Peut-être R. Là, c'est R ça. Quand il y a R, forcément, tu as fait découvrir ton aisselle, une mère viendra, la mère de Dieu viendra. Tu fais quoi? Tu tires l'aisselle et t'apporter le pire. La solution. Tu vas rire jusqu'à péter le pardon de 6. Ça tape. C'est comme ça. Et tu vois la solution. Donc, à Boko, Bélanger a fait quoi? Il a fait R. C'est là qu'il pue. La statue là, la statue c'est pour immortaliser. Donc c'est pour dire que quoi? Que en R, là il y a la personne de suite, c'est-à-dire en suite, ou précisément en 2018, il a là. Il se manifestera encore en 2018. Vous le reconnaîtrez en 2018.